Donc, il faut qu'on continue de jouer. Écoutez les gars, écoutez, écoutez. C'est vachement bien ce que tu fais devant. Déplace-toi, joue sur le 5, t'as vu? Là, le 5, il est sorti, ils ont mis un nouveau libéro, il va jouer de la même façon. T'as vu? Pur gaucher, à chaque fois il revient chez lui. Juge, continue de donner. Là, je te ferai souffler un peu. Ok? Sinon, après les gars, j'ai pas plus de choses à dire. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont sur le côté, des coups de sifflet, on se met en route et on va faire tourner. Les joueurs qui vont commencer à tirer un peu dans les réserves, on va faire tourner, on a le match en main. Ok? Sur le côté, vous gérez les temps. Hein? Vous voyez à deux. Si moi je peux faire une petite critique, c'est que quand Koubi fait le pressing ou Ludo, le problème c'est qu'on les laisse faire le pressing seul et on ne monte pas. Les autres ne montent pas avec. On n'est pas ensemble. Sinon, le match est de côté agréable à regarder. Un pressing, ça se fait l'équipe ensemble. T'as vu Koubi? Tu vas et derrière nous n'y va pas. Toi tu fais un taureau. Moi j'y vais, après derrière ça suit pas. On y va, après on suit pas. A chaque fois qu'on y va, on est compact. Dès qu'on est compact, au pressing, on récupère les ballons et là on les met en difficulté. Mais si on y va, après ça craint derrière. Mais il faut qu'on soit compact, Nico. Si nous au milieu on y va et que derrière ça suit, que les lignes elles se suivent, il peut rien arriver. Ok? Donc, on va faire un petit changement. Matt, il reste sur le côté, il arrête. Voilà. On va faire rentrer Robin. Première mi-temps. Ouais. Peut-être un des deux, ça dépend comment vous vous sentez. Un coup de toute façon, si je sors. On peut encore beaucoup faire mieux les gars. On leur voit tout les gars. C'est les premières plus 15 minutes. S'ils arrivent à nous mettre un but ou deux buts, là on va être en difficulté. On va continuer.